Et salut à tous, c'est StayGeek, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le vendredi 14 août, si je dis pas de conneries, ou le 13 août, je ne sais plus, je n'ai pas l'heure devant les yeux. Et donc on se retrouve avec une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va simplement parler de la rentabilité de mining. Est-ce que le minage en août 2021 est toujours rentable? Donc on va discuter de ça gentiment, comme d'habitude, on fait le petit tour. Donc là, j'ai Suribla qui est éteint, je vais le rallumer tout à l'heure. Donc là, celui-là, il y a les deux 5700, comme vous avez l'habitude, des 1660, et c'est éteint. Donc on va le rallumer tout à l'heure, celui-là, il marche nickel. Donc voilà, alors j'ai branché un micro dessus, un micro type Rode, donc dites-moi si vous m'entendez mieux ou pas. Mais voilà. Donc simplement, alors voici Suribla. Donc là, pour le moment, j'ai mis une clé Wi-Fi dessus. Vous voyez, la clé Wi-Fi, elle est là. J'ai mis un câble internet parce que la clé Wi-Fi ne marchait pas. Donc voilà, il est sur iOS, ça y est, il est branché enfin. Vous voyez le petit câble ici. Là, ça repart ici, là-bas, à l'autre routeur qui lui repart là-bas derrière le bureau. Alors, simplement, moi, combien j'ai de puissance sur iOS actuellement avec tous mes rigs. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 rigs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc actuellement, comme je disais, j'ai sur iOS, uniquement sur iOS, on va dire. Attendez, je vais voir si le flash il va s'éteindre. Hop, non, il va pas s'éteindre. Donc vous voyez là, donc on est sur un total de 6 rigs avec 45 GPU, comme vous pouvez voir. Donc on a 45 cartes en tout pour un total de 2025 MH et 4763 watts. Donc actuellement, donc on va mettre 2025, 4763 watts, comme vous avez pu le voir. Et là, on est à 17 centimes du kilowatt. Donc actuellement, avec 17 centimes du kilowattheure, on est à 4,85 euros par jour, enfin par heure, pardon. On fait 113 euros net par jour, mais 133 euros brut. Parce que vous voyez, il y a l'électricité qui est déduite ici. Donc, je vous invite à vous aussi aller sur ETH Calculator, donc MinerStat ou d'autres plateformes hein, qui vont pouvoir vous dire en fait ce que vous allez pouvoir gagner. Ça va être des estimations parce que du coup, en fait, c'est une moyenne suivant les montées, les descentes, les mouvements baissiers, les mouvements haussiers que fait l'Ethereum. Donc, en fait, on va être sur une moyenne. Donc là, on est sur une moyenne, vous voyez, en brut, à 4086 euros par mois et un Ether 48. Donc bien sûr, j'ai encore de la puissance de calcul qui n'est pas utilisée là, parce que là, je vous parle uniquement sur iOS. Et là, on est à peu près à 3500 euros net par mois. Donc tous ceux qui me disent, oui, le minage, c'est pas rentable, oui, ceci, oui, cela, ça va finir, c'est vraiment pas terrible, est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça vaut vraiment le coup de miner en ce moment? Est-ce que tu gagnes quelque chose? Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que si, est-ce que là, est-ce que tu arrives à retomber sur ton investissement, etc., etc. Donc, vous voyez, je vous montre, hein, je ne vous mens pas, on est à 3500 euros net par mois, électricité déduite. Et si j'ajoute les autres rigs qui sont là, on est à peu près à 3500 MH, donc on est à 3530, mais bon, on va dire 3500. Pour, si je dis pas de bêtises, on est autour des 5900. On va mettre 6200 pour être sûr parce que en watts, j'ai plus les calculs sous les yeux. Mais donc voilà, si on met tout ça en brut et en net, bon, même on va mettre un peu plus, on va mettre 6500 watts pour vraiment avoir une marge d'erreur. Donc vous voyez, donc avec 6500 watts à 0,17 centimes du kilowattheure, 3500 MH, on tire à 800 euros de courant par mois, 7000 euros brut et 6200 euros net. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous pensez que c'est rentable, mais moi en tout cas je vous le dis, le minage c'est ultra rentable actuellement. Donc même si forcément avec la EIP1559 on gagne moins d'Ethereum par jour, enfin par mois, on gagne forcément plus d'euros parce que du coup l'Ether est beaucoup plus fort actuellement, même s'il retrouve une bonne position. Mais à ne pas oublier qu'il y a quelques temps, on était aux alentours des 3600 euros l'Ethereum. Donc, vous voyez, le minage, c'est ultra rentable. Donc, n'hésitez pas à aller checker MinerStat.
C'est un très très bon site pour checker tout ça. Ensuite, on continue la vidéo. Donc là, je viens de recevoir ces ventilateurs-là. Vous voyez, j'en ai pris une quantité. Je vais vous en ouvrir un de suite. Bougez pas, je vais vous mettre ça comme ça. Je vous mets face à la 3080 qui est là-bas. Parce que là, j'ai une 3080 qui ne mine pas encore. J'ai pas voulu la mettre. Alors, bougez pas. Alors ça, je vous montre ces ventilateurs-là parce que du coup, c'est des ventilateurs que j'ai reçus, que j'ai commandés sur AliExpress. C'est des très très bons ventilateurs. J'en avais déjà en fait 4 sur un rig et j'ai voulu me trancher un doigt. Vous allez voir qu'ils sont très bons. Donc sur ces ventilateurs-là, alors comment ça se fait ce bordel-là, c'est là. On est sur des ventilateurs AliExpress. C'est les meilleurs que j'ai pu trouver. Pardon, je l'ai dégainé. Alors avant de vous le montrer, donc c'est des ventilateurs, ils font 3000 tours minute. Donc je vais vous le faire écouter après dans l'ordinateur ici. Et vous allez voir que c'est en fait c'est pile poil le juste milieu entre celui-là. Je vous montre. Entre celui-là qui fait 7000 tours minute. Celui-là qui fait 14000 tours minute, ça c'est vraiment des ventilateurs de serveur, des trucs professionnels. Ils sont faits pour vraiment envoyer du pâté de saumon, de tout ce que vous voulez. Et celui-là, en fait, sur un ventilateur en fait type PC gamer. Voilà, donc 3000 watts, enfin 3000 watts, oh putain, qu'est-ce que je raconte. Donc 3000 tours minutes en plastique, donc très léger pour mettre sur un rig. Et franchement, l'efficacité, il n'y a rien à voir. Je vous branche tout de suite, vous allez voir. Hop, regardez. Donc ça c'est vraiment le ventilateur qu'il faut, j'en ai dit celui-là aussi, j'en merde celui-là. Ah merde, attendez, c'est du Molex. Est-ce que j'ai un petit Molex qui traîne? Ah non, j'ai même pas de Molex sur celui-là. Bon ben les amis, vous savez quoi? Je vous le ferai tester dans une prochaine vidéo. Parce que malheureusement, j'ai pas de Molex pour essayer celui-là sur cet ordi-là. Enfin, il est derrière, mais il faut tout que je démonte. Donc c'est un peu la flemme quoi. Si vous voulez, mais je vous le fais écouter dans une prochaine vidéo. Il y aura un rig qui sera monté en fait avec que ces ventilateurs là, donc vous allez voir, ça va être plutôt top du top. Donc on va revenir là bas alors il y a une modification de tout ce système là qui va arriver. Vous voyez tout ce système là, je vous montre de loin, qui va arriver très 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 prochainement. Je vous en dis pas plus, ça va être courant le mois d'août. On va voilà, remanier tout ça, tout ce qui est là, tout le petit rig là-bas. Tout va en fait être modifié, donc vous allez voir, je vous en dis pas plus. Et voilà, en tout cas pour le moment, les rigs se portent plutôt bien, vous voyez. Donc là, on a un petit rig qui tourne plutôt sympathique. Vous voyez, avec une carte mère B450, une carte mère Intel socket LGA 1200. Vous voyez pour le moment, tout tourne à pleine puissance les amis. Bon, en tout cas les amis, c'était un plaisir de vous retrouver. C'est Stay Geek, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, bon minage.